Allez, bah traverse enfin. Tu vas pas commencer, Jaco, c'est le début du voyage là. Hein. Ok. Eh bah t'as gagné, j'y vais sans toi. Oh putain. Pourquoi? Oh là là, mais y a personne qui s'arrête alors que c'est un passage piéton. C'est bizarre cette ville. Bah ouais, Jaco, bah hey, moi j'avance hein. Si je suis ici au Vietnam, c'est parce qu'avec Jaco, on a décidé de partir à l'aventure pendant un mois. Allez, viens ! Aujourd'hui, on est à Hanoï, la capitale du pays. Et dans un mois, on devrait être à Ho Chi Minh, dans le sud, pour rentrer à la maison. Et d'ici là, on n'a rien prévu du tout. Empty. Alors du coup, on va chercher les Français pour qu'ils nous donnent des conseils pour faire de ce voyage une expérience inoubliable. Yeah ! Allez, elle m'a souhaité bonne chance. Bonjour. Français? Non, vous n'êtes pas français. Non. Ok, ça va être compliqué. Vous êtes français? I don't know. D'accord. Français? Non, sourd. Je crois que c'est vraiment des petites têtes de français, ça. Je mise 20 dong dessus. Français? Portugal. Portugal, oh mince. German? No. Ça. Swedish? Oh, Dutch? No. No? Scottish. Dutch? Yes. Yeah. Hey. English? Yes. Yeah. On trouve pas de français. Hein. Have you seen some French? No. No. Français? Oh. I'm from Korea. Oh shit. Yeah. Ouais. Et on doit marcher tous les jours pendant un mois là? Ok. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Voilà. Ah, je suis refait, moi. Oui, ça va, j'ai vu que j'avais fait tomber. Oh. Vous êtes français? Oui. Wow. Vous avez fait des trucs et vous avez des conseils à me donner? On n'a pas fait grand-chose ici. Ah ouais? Donc vous ne pouvez pas me conseiller? Tu connais des petits trucs là à faire? Manger du serpent. On peut manger du serpent ici? Ouais. Où ça? Mon gars, en plus, si t'es chaud, on y va ensemble. Ok. Où? Maintenant? Bah, allez. On va manger du serpent. Bah allez, go, on fait comment? J'en sais rien, mais on va demander. Snake. Snake. Yeah, okay. Ok. Can you write snake in Vietnamese? Oh, il est malin. Comme ça, au moins, si on va trouver des Vietnamiens qui parlent pas ni anglais ni français, on pourra leur communiquer quand même avec eux. T'es très malin, hein? Ça fait 9 mois que je fais ça. 9 mois que tu voyages. Et je fais le tour du monde pour 5 ans en autostop. Pour 5 ans? Et je fais du porte-à-porte, genre jamais dans les hôtels, jamais dans les guest house. Ouais. Je stoppe directement à la porte et je dis: hey, je peux dormir chez toi? C'est ça le Vietnam, c'est l'aventure. Oh putain! Quoi? Ah! Ah non, c'est des plantes! C'est quoi? C'est des plantes! Oh là là! Hello! C'est l'heure de l'apéro! T'as vu, Jaco, t'as une copine? Sem Sem! It's Jaco. What's the name? What's the name of your t-shirt? T-shirt name, Jaco. Jack my backpack. Non. Non, non. Bon bah tant pis, je peux pas te présenter son t-shirt. Oh là là, et le serpent, il est là. Ça va? Ah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais c'était un méchant serpent, hein, on est d'accord? Non. Ah. Oh là là, attention, ils vont le tuer. C'est fini? C'est quoi ça? Regarde! Non, le cœur il bouge encore? Ah, le cœur il bouge! Ah, oh, trop cool! Il est fou. Toto, il est complètement fou. Il voit du sang, il est comme un dingue. Ah, le sang. C'est excellent. Hey. Oh putain, je suis happy là. Mais arrête d'être aussi excité alors que tu vas boire un cœur de serpent! Il bat encore. Oh là, il bat encore. Ah, very good. Very good, mais il est fou. Yeah. Il est totalement fou. Mais non, je veux pas boire ça, c'est du sang. C'est comme si tu buvais ton sang, tu sais, quand t'es gamin, tu l'as. D'accord, ok. Tu vois, imagine que t'es... Ok, je réfléchis pas. Ah, tiens. Il y a de l'alcool avec. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est la peau.
C'est la peau. Oh, faut pas que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Premier jour au Vietnam. Enfin, je pense que ça lui fait pas. C'est du poulet. Enfin, c'est bon. C'est vachement bon. C'est bon. Mais la peau, c'est fort. Allez, j'y vais. Trop chelou. Ça fond dans la bouche, c'est bon. C'est bon aussi. C'est trop bon le serpent. Pardon ? Maxime, non, c'est pas ça ? Oui. Tu t'appelles comment ? Chloé. Tu peux me conseiller 2-3 trucs ? Faut aller à Sapa. Ok, c'est quoi Sapa ? Sapa, c'est dans le nord, ouais. Au niveau des rizières et des montagnes. Et je connais un super hôte qui pourrait t'accueillir, qui parle français et qui fait des treks en dehors des sentiers battus et tout, ouais. C'est ça. Sapa Tavan Hostel. Merci. À bientôt et profite bien. Bon, bah, on prend le bus pour aller à Sapa du coup. Hello. On a des bananes et du coup, de la pizza. De la pizza ? Moi, j'ai pris de la vache qui rit. On arrive dans 6 heures normalement, Jaco. Ah. Oh. C'est quoi en fait ? De l'eau et un peu de sucre. Du lot et du sucre. Ah, c'est un glaçon quoi.